Et ce ballon va atterrir dans les bras de l'arrière anglais du Racing, Arundel, qui va être à surveiller. Thomas au contest aérien, devancé par Henry Arundel, qui aussitôt trouve le soutien de Le Garec, la remise intérieure. Permet aux attaquants du Racing de jouer dans le dos. Exactement, et bonsoir au passage. Bonsoir, JBR, Ficou. Attention. Chaud, c'est derrière. Arundel pas en avant et Juan Mouf. Il joue sur JBR, comme il avait beaucoup finalement. Ficou, comme il y a Saïli, bien fait. Francis Saïli qui peut décaler Juan Mouf. Le sprint de Juan Mouf. La flèche argentine, Juan Mouf. Voilà, c'est parfaitement exécuté. Ça permet de déborder à la défense de La Rochelle, sur lequel ont beaucoup bataillé les Rochelais. On revoit ce jeu dans le dos dans un premier temps. Et puis le magnifique travail de fixation de Gaëtan écarté. Danti combine avec West sur les extérieurs, c'est bien joué. Astoy, le ballon pour Boulanger. Il n'y a pas de décalage, il est pris par Arundel, il a redonné à Astoy. Et Teddy Thomas qui est venu se proposer dans la zone. Mais les Rochelais, ça sort pas dans les bras de Arundel maintenant, qui à son tour joue dans le dos de la défense. Arrêt de rouler. On reste en haut. Hein. La logique a marché. Ibarren. Il vient de taper. Sortie des 22, non, Blanc. Attention. Ah non, Arundel, il a rebondi sur Boutia, il a été attendu. Le coup, Henry Arundel, qu'on voit donc pas beaucoup, qui a reçu la visite cette semaine de son entraîneur anglais, Steve Borswick. Reprise de volée qui va atterrir dans les bras de Moss Morin. Non, et finalement, Spring qui est passé par là, récupère ce ballon, joue au pied, à suivre. Le Gibert, et dessous, Astoy qui s'impose. Qui récupère ce ballon. La passe au pied, ouais, elle est bien ajustée. Ouais. De Gilbert pour Arundel, le duel avec Carbarlo, voilà, qui le ballon n'est pas sorti. National respectif. Il est passé, ouais, lui, il est repris in extremis avant d'avoir pu transmettre à son extérieur. Il va très vite, Spring. Le rebond qui lui est favorable. L'essai du bonus sur la cycle peut-être. Spring pris, Gilbert avec. Position de hors-jeu au départ du coup de pied. Mais bon, suivent les ralentis qui sont normaux. Hein, le plongeon. Il se passe toujours quelque chose dans le désordre le plus total. On l'a quasiment pas vu de la soirée. Henry Arundel. Et Henry Arundel rejoint le peloton de tous ces joueurs qui ont marqué 4 essais depuis le début de la saison. Juste derrière. Quand même à débriefer ensuite avec l'équipe du CRC ce match, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Il n'y a pas eu le suspense habituel pour le score, mais le carton rouge de Teddy